j'espère que vous allez bien et que vous avez profité de ce magnifique week-end d'automne pour prendre l'air. Nous sommes maintenant ensemble pour une nouvelle semaine d'échange et de partage sur Europe 1. Le 39-21 est à votre disposition si vous souhaitez intervenir à l'antenne. Et vous pouvez également me faire part à tout moment de vos réactions pendant ces deux heures de direct par mail europe1.fr et par SMS au 7-39-21. Ce soir au 39-21, vous serez accueillis par Jeanne et Paul avec la complicité de Boris Pirédu qui réalise cette émission. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Caroline Dublanche. Bonsoir Nathan. Bonsoir Caroline. Tout d'abord, je voudrais vraiment vous remercier pour votre émission que j'écoute depuis très très longtemps. C'est gentil. Ça doit faire bien une quinzaine d'années. Ah bah oui, alors effectivement, voilà. Vous êtes un fidèle depuis les débuts. Exactement, exactement, depuis les tout débuts. Donc ça fait vraiment bizarre de passer à l'antenne et c'est un moment très émouvant. Voilà. Bah écoutez, moi je suis ravie de vous accueillir, surtout avec ce petit accent du Sud. Oui, tout à fait. Vous êtes d'où ? Je suis près de Pau. Ah, exactement. D'accord. Ah ben on a Monsieur Cinéma, l'ami Yves aussi qui est là-bas. C'est un petit moment qu'on l'a pas entendu. Il doit être dans les salles obscures. Il va revenir avec un florilège de nouveaux films certainement à nous faire découvrir. Exactement. Et puis je pense qu'on fréquente la même salle de cinéma. Il y a une très bonne salle cinéma d'art et d'essai à Pau. Ah ben oui, apparemment il y en a qu'une, non ? Oui, à Pau. Hein ? Oui, d'accord. Et vous vous êtes jamais croisés ? Peut-être, mais sans le savoir. Oui, sans le savoir. Il ressemble, donc. En tout cas, je l'embrasse, Yves, s'il est à l'écoute. Très bien. Alors, qu'est-ce qui fait que vous avez eu envie de m'appeler ce soir ? Alors, moi, en fait, je voudrais vous parler d'une... Je suis en pleine remise en question, la professionnelle, en fait. Je suis aide-soignant, donc, depuis 3 ans. Oui. Ça va faire 3 ans, là, au mois de décembre. Oui. Et disons que les conditions de travail sont très, très difficiles. Oui. Donc, je travaille en gériatrie, dans un service de gériatrie. Oui. Donc, où les effectifs sont vraiment réduits au minimum. C'est-à-dire que nous sommes 2 aides-soignants pour 26 malades, 26 patients qui sont très, très en demande. Une infirmière, bien sûr, mais qui a ses soins infirmiers, donc qui est très peu disponible pour nous aider, entre guillemets, afin qu'il est focalisé sur ses soins infirmiers. Elle est seule, il y a une infirmière pour 26 patients. Exactement, une infirmière pour 26 patients et 2 aides-soignants. Mais c'est très peu. C'est très très peu. C'est les effectifs qui ont été faits il y a énormément d'années, en fait, qui n'ont jamais été revus. Et c'est un hôpital public ? C'est une clinique privée ? C'est un hôpital public, oui. Ah là, oui, en effet. Oui, voilà. Oui, surtout qu'il y a des problèmes, enfin, certainement, il y a des questions de dépendance, des problèmes. Vous accueillez quel type de... Alors, toutes les pathologies liées à l'âge, justement au grand âge, ou vous avez aussi des patients souffrant d'Alzheimer ou non ? Alors exactement, donc il y a pas mal de problèmes entre guillemets sociaux, c'est-à-dire des familles qui ne peuvent plus s'en occuper, donc qui sont là en transit, donc c'est souvent des personnes qui sont très démentes, que les personnes ne peuvent plus prendre en charge à la maison, donc à l'attente d'une maison de retraite. Ensuite, ça peut être, on fait aussi pas mal de soins palliatifs, donc des patients qui sont en fin de vie, on les accompagne. Et ensuite, il y a des personnes aussi qui sont là tout simplement en rééducation, mais qui ont besoin aussi d'énormément de temps. Bien sûr. Et qui ont souvent qui ont fait des chutes à la maison, par exemple, donc qui ont des syndromes post-chute très avancés et qu'il faut accompagner dans le moindre geste, quoi. C'est-à-dire pour un déplacement en toilette, pour le moindre déplacement, pour la moindre chose. Oui, vous êtes très sollicité puisqu'ils sont très dépendants pour tous les gestes du quotidien. Exactement. Exactement. Et donc, c'est des conditions de travail qui sont très, très difficiles. Ça fait 3 ans que vous êtes dans ce service ? Oui, tout à fait. Et avant, c'est vous qui avez demandé à changer de service ou Non, en fait, donc, j'ai fait la formation en 2011. Donc, je suis diplômée depuis décembre 2011. Et avant ça, en fait, j'étais pas du tout dans la profession. Ah, d'accord. Mais là, ça a été mon premier service, en fait, il y a 3 ans. Je suis arrivée là dans ce service-là. Et ça fait 3 ans que j'y suis. D'accord. Donc, vous avez fait un changement, je peux vous demander, vous étiez dans quel domaine auparavant ? Alors, en fait, je suis partie après le bac à la faculté de droit. J'ai fait 3 années. Enfin, ensuite, j'ai tenté un BTS management, donc rien à voir.
Et c'était un milieu dans lequel je ne me reconnaissais pas du tout. Et donc, en fait, je suis parti. J'ai pu, en fait, au cours d'une mission intérim, intégrer une maison de retraite dans laquelle j'ai fait une mission de quelques mois. Et ça m'a beaucoup plu. J'ai un très bon contact avec des personnes âgées. Et donc, suite à cette mission-là, je me suis décidé à faire la formation d'aide-soignant, en fait. D'accord. Voilà. C'est finalement le contact avec les personnes âgées qui vous a donné cette envie. Exactement. D'autant plus que j'ai quand même une vision assez humaniste du soin. Donc, c'est vrai que quand on est très impliqué comme ça dans notre métier, on se fatigue énormément. Parce qu'on sait les personnes très en attente et puis on essaye de faire au mieux, quoi. Mais c'est vrai qu'on a souvent des... Mais de toute façon, quand on est impliqué comme ça, comme vous l'êtes, c'est effectivement beaucoup plus fatigant que si vous faisiez des gestes techniques mais sans investissement. Exactement. C'est pour ça que les métiers de soignants, il y a souvent une très grande fatigue psychique qui s'installe. Et puis, il y a quand même des pathologies lourdes dans votre service. Entre les cas de démence, les soins palliatifs, c'est très lourd à gérer, psychologiquement et au quotidien même, pour pouvoir canaliser l'angoisse et autres. Et finalement, le chef de service, il en dit quoi, lui ? En fait, le chef de service, il ne peut pas faire grand-chose à son niveau. Alors, elle a tiré la sonnette d'alarme, bien sûr, en disant qu'il fallait rehausser les effectifs, mais disons que c'est très difficile à obtenir. C'est des effectifs qui ont été décidés il y a très longtemps et qui ne bougeront sûrement pas, quoi. Il y a eu des restrictions de budget ? Oui, il y a des restrictions de budget en permanence, là encore de plus en plus pour l'année à venir. Et au final, les soignants donc sont très fatigués. Il y a beaucoup, beaucoup d'arrêts maladie, de plus en plus aussi. Donc, oui, c'est un signe. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'il y a dans un service, il y avait, je crois, une infirmière sur, je ne sais plus combien ils sont, 7 ou 8 du service. Donc, en fait, c'est des auto-remplacements. Donc, c'est des rappels sur des jours de repos, des rappels sur des congés. Enfin bon, pour vous dire, même la semaine dernière, j'ai été très surpris. Une collègue et amie m'a dit, on m'a téléphoné à 5h du matin pour venir travailler à 7h. Parce qu'un arrêt était tombé dans la nuit. Enfin, c'est vraiment une disponibilité à toute épreuve. Et au point de... Vous dites que vous êtes en questionnement aujourd'hui. Voilà. C'est par rapport à votre pratique, à ce métier ou au fait d'un changement de service. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, il y a par moment, honnêtement, je pense à un changement de métier. Ça m'effleure à l'esprit de temps en temps. Parce que je vois sur la longueur, je me dis, est-ce que je tiendrai 20, 25, 30, 35 ans, voire plus, dans ce métier-là, quoi. En voyant un peu l'avenir, je me dis... Vous avez quel âge aujourd'hui ? J'ai 30 ans. D'accord. Oui, vous êtes jeune. Mais vous voyez, vous anticipez dans l'avenir. Et vous vous dites, dans l'avenir, vous ne vous voyez pas, avec une charge de travail aussi lourde, continuer. Exactement. Je me pose beaucoup de questions. En même temps, c'est un métier que j'aime beaucoup aussi. Oui, parce que vous me dites que c'est finalement l'expérience auprès des patients âgés qui vous a donné envie de devenir aide-soignante. Qu'est-ce qui, à ce moment-là, a provoqué ce désir chez vous ? Qu'est-ce qui vous avait plu dans l'approche que vous aviez eue au point de vouloir faire cette formation et d'avoir réussi, d'ailleurs ? Qu'est-ce qui, à ce moment-là, avait été le moteur ? En fait, j'avais eu beaucoup... Alors, c'était un peu différent parce que c'était de nuit, déjà. Bon, peut-être... mais j'ai eu beaucoup, beaucoup de reconnaissance de la part des résidents de cette maison de retraite-là. Et c'était vraiment quelque chose, énormément de reconnaissance. Alors, je n'avais pas du tout d'expérience, je me débrouillais comme je pouvais, en fait. Et j'avais eu beaucoup, beaucoup de reconnaissance à l'époque, et de la directrice de la maison de retraite, et des collègues, et en même temps des résidents la journée qui disaient que j'étais top, entre guillemets, enfin, qui étaient très contents de mes services. C'était très valorisant pour vous. Alors que vous sentiez, vous étiez très débutant dans cette pratique, peut-être pas toujours. On vous a renvoyé quelque chose de très positif dans votre façon de faire, dans votre. En disant, t'es fait pour ça, vraiment, t'es fait pour ça, je l'ai entendu énormément de fois, quoi. Alors c'est peut-être dommage d'envisager, vous voyez, de changer, parce qu'il s'est quand même passé quelque chose. C'était quand même des professionnels aguerris qui vous disaient que vous aviez un sens comme ça, clinique, une approche, certainement une approche, vous deviez être très rassurant pour les personnes. Parce que travailler de nuit, la nuit effectivement, c'est pas les mêmes, on n'est pas dans le soin là, on est dans... Il peut y en avoir, évidemment. On souffre aussi la nuit, on est mal aussi la nuit. Mais c'est aussi une approche dans une maison de retraite particulièrement
être dans une approche d'accompagnement, de réassurance, de... Oui, voilà, tout à fait. Donc, je me pose plusieurs questions. Mais peut-être, Peut-être revenir de nuit, au final. Oui, y compris à l'hôpital, vous voulez dire. Y compris à l'hôpital, pourquoi pas. Être plus ou moins dégagé, parce que c'est vrai que la nuit, il y a quand même beaucoup moins de soins, beaucoup moins de... Bon. Alors, c'est peut-être aussi cet aspect-là, moi, qui m'intéresse le plus dans le métier, c'est le relationnel. Et c'est ce que je trouvais peut-être plus la nuit. J'avais peut-être plus de temps de faire du relationnel. Visiblement, oui. Plus que les soins, que les actes. Enfin, c'est plus cette dimension-là qui vous intéressait, pour lequel vous étiez doué. Voilà. Exactement. Donc, mais aussi, au-delà de ça, est-ce que finalement, la structure en elle-même, le côté maison de retraite, c'est déjà différent de l'hôpital? Là, l'hôpital, vous avez vraiment toutes sortes de pathologies, et des pathologies vraiment lourdes. Oui. Des personnes qui sont dans des états de démence, c'est compliqué, parce que vous devez avoir des patients qui errent un peu dans les couloirs, qu'il faut... Exactement. Dans des structures qui ne sont pas adaptées. Qui ne sont pas adaptées, c'est ce que j'allais dire. Vous n'êtes pas dans des structures où, qui accueillent vraiment des gens souffrant de maladies d'Alzheimer ou d'autres maladies dérivées. Mais comme vous dites, là, il y a un risque de stress parce qu'ils peuvent fuguer. Ce n'est pas adapté, l'hôpital, pour les gens comme ça. Bon, le soin palliatif, c'est très lourd aussi, émotionnellement. Et là aussi, c'est... Bon, vous faites face, vous vous adaptez, mais enfin, vous n'êtes pas service soin palliatif. Voilà, donc vous n'avez pas tout l'accompagnement qu'il y a pour les patients et aussi pour le personnel, j'ai envie de dire. Voilà, c'est-à-dire que pendant qu'on est en train de faire un soin, par exemple, à un patient en fin de vie, on doit quand même en même temps avoir un œil parce qu'il y a un patient qui risque de fuguer. Donc on est toujours, on n'est jamais vraiment avec le patient, quoi. Enfin, on y est sans y être. Mmh. C'est cette multiplicité de choses. On a toujours, même quand on est avec un patient, on pense toujours, on est tellement peu nombreux qu'on se dit, si moi je le vois pas, bon, si l'autre le voit pas non plus, le patient va peut-être être parti, quoi. Oui, mais parce qu'on sent, et c'est très bien, vous êtes très impliqué dans votre métier. Oui. On sent que vous avez le souci des autres, des personnes dont vous vous occupez, dont vous avez la charge. Et cette charge, elle devient lourde. Enfin, on sent que vous y pensez. Est-ce que quand vous rentrez chez vous, est-ce que vous arrivez à laisser un peu de côté, ou est-ce que vous avez du mal parfois à fermer la porte et que vous les amenez un peu avec vous, ces personnes? Moi, j'ai un peu de mal. À mon compagnon, par exemple, c'est souvent que je lui parle de ma journée de travail. Mmh. Oui, c'est que ça vous pèse. Mais vous savez, il y a dans le milieu soignant, il y a beaucoup de burn-out. Hein, beaucoup dans les soins comme ça, dans les services un peu difficiles. Mais peut-être que finalement, il y a une... C'est pas le métier en lui-même, c'est les conditions de travail. C'est vrai que vous êtes en sous-effectif là, clairement. Oui, tout à fait. Vous êtes en sous-effectif, donc en plus, comme vous êtes quelqu'un de très consciencieux, qui avait à cœur de vous impliquer, vous n'avez pas le sentiment. Parfois, vous devez avoir le sentiment peut-être de pas accorder suffisamment de temps, ou en tout cas le temps que vous aimeriez donner aux personnes. Et vous pouvez pas, objectivement, vous pouvez pas. Hein. Deux aides-soignants pour 26 patients avec une infirmière, c'est pas possible. Exactement. Alors c'est vrai que des fois, on est un peu frustré. Et puis on a aussi Alors les patients, quelque part, c'est sûr que eux, qu'on soit deux, trois ou quatre, ils ont besoin de... Bien sûr, eux, ils ne se rendent pas compte. Normalement, ils n'auraient pas à en faire les frais. Exactement. C'est évident. Ça ne devrait pas être leur souci. C'est très, très difficile aussi. Alors, il y a Léandre qui me dit tous les services de gériatrie, de soins, de suite, des EHPAD sont les parents pauvres des services, et les conditions sont très dures pour les salariés et du coup pour les patients aussi, hein, évidemment, les répercussions. Et les maisons de retraite, parce que là, pour le coup, vous êtes dans un domaine où il y a de l'avenir sur le plan professionnel, hein, tout ce qui concerne la gériatrie. C'est vraiment un secteur d'avenir, entre que ça soit le soin, les services après les maisons de retraite, les accompagnements, les EHPAD. Enfin, il y aura de la demande. Vous ne manquerez pas de travail. Après, effectivement, c'est dans quelles conditions. Donc ça, c'est plutôt rassurant aussi de vous dire ça. C'est-à-dire que, après tout, comme il y a de la demande, vous n'êtes pas obligé de rester dans un service où effectivement vous êtes en sous-effectif et ça se répercute sur le travail. Voilà. Alors, je sais qu'après, mais j'ai fait pas mal de stages aussi dans certaines maisons de retraite, et honnêtement, les conditions sont semblables, voire pires. Oui, ça, tout dépend, les maisons de retraite. Voilà. Oui, ça, c'est évident.
Après, c'est aussi faire vraiment le bon choix et ne pas... Parce qu'il y a vraiment, il y a des, certaines maisons de retraite, les conditions sont encore pires que ce qu'on vit là, quoi. Je crois que c'est pas tant le métier en lui-même qu'effectivement ces conditions de travail pour le moment. Voilà. Et que c'est peut-être là-dessus qu'il faut réfléchir et que ça vous permettrait de vous dire qu'après tout, c'est une expérience. Mais vous savez que vous n'allez pas rester 10 ans dans ce service. Non, et vous n'avez pas envie de, après peut-être, parce que de passer des concours ou aussi d'évoluer dans vos fonctions. Alors, j'ai pensé à cette possibilité-là. Dernièrement, j'ai pensé à m'orienter, par exemple, vers un concours d'assistant de service social. Donc, parce que c'est ça, vous êtes très jeune, vous avez 30 ans, vous pouvez aussi évoluer. Vous me dites, il y a finalement, c'était en 2011 que vous avez complètement changé de secteur d'activité. Donc vous avez cette capacité-là de vous adapter, donc pourquoi pas évoluer au sein de... en restant dans le domaine de la gériatrie, mais en occupant d'autres fonctions. Ce qui évite peut-être la lassitude et le sentiment d'être l'épuisement ou d'être débordé. Tout à fait. Là, je réfléchis à plein de choses. En ce moment, ça bouillonne, quoi. Je peux vous dire, Caroline, ça, voilà. Bah, c'est bien. Non, mais oui, mais enfin, il y a plein de pistes. C'est pas bouché, en tout cas. Non, c'est pas bouché. Donc il y a plein de possibilités d'évolution. Mais vous avez raison d'y réfléchir. Il vaut mieux. Le fait même d'y réfléchir, ça vous donne déjà des possibilités de sortie, entre guillemets. C'est une façon de vous évader un peu de ces conditions de travail très difficiles, d'envisager des possibilités de sortie. Exactement, c'est très rassurant. Oui. C'est parce que voilà, ça vous permet de tenir bon, de faire face et de savoir que bon, comme vous dites, la perspective, vous voyez pas dans 30 ans faire ça. Non, il y a peu de chance parce que déjà le métier en lui-même est fatigant au niveau charge, y compris physique d'ailleurs. Hein, en tant qu'aide-soignante, vous portez beaucoup. Oui, exactement. On fait énormément de manutention. Surtout s'il y a des patients qui nécessitent qu'on les porte pratiquement. Hein. Et il y a Margaret qui dit c'est vraiment dommage que l'on décourage des gens passionnés par leur métier sous le prétexte du manque d'argent. Margaret qui ajoute il est temps que le gouvernement se secoue un peu plus. Mais en tout cas, c'est-à-dire que c'est au niveau de la politique aussi de l'hôpital. Hein, c'est-à-dire que l'hôpital, il y a eu de telles restrictions dans les services qu'effectivement ça a posé beaucoup de problèmes et que beaucoup de services en souffrent. Ou sont pris aussi vu les médecins eux-mêmes disent qu'ils font plus, ils passent plus de temps dans les paperasses que auprès de leurs patients parce que là ça a pris une ampleur considérable. C'est fou le nombre de papiers qu'il faut faire maintenant à l'hôpital. Exactement. C'est incroyable. C'est devenu les médecins eux-mêmes. Enfin, je parle même pas des secrétaires, mais c'est vrai que les médecins eux-mêmes disent qu'ils sont débordés par la paperasse. Et ce temps-là qui passe dans ce truc de paperasse, c'est du temps en moins auprès des patients. Voilà. Et puis les médecins ont le souci, bien sûr, de remplir le service aussi. Maintenant, il y a vraiment un souci de rentabilité, y compris dans les hôpitaux. Oui, c'est bien terrible. Sûr. Oui, oui. Oui. Voilà, bon, il faudra voir. Alors, il y a quelqu'un qui me dit nuance. Dans les maisons de retraite, les conditions sont plus lourdes. Il y a des pathologies aussi très lourdes, parfois même plus lourdes qu'à l'hôpital. Et quelqu'un me dit aussi, je trouve la situation actuelle des hôpitaux préoccupante au plus haut point. Quand les pouvoirs publics vont-ils en être conscients? Bon, l'important, vous, c'est déjà que vous ne vous épuisiez pas et vous savez qu'il y a quand même des possibilités d'évolution et en tout cas beaucoup de demandes dans ce secteur. Donc, ça vous laisse la possibilité d'y réfléchir sereinement, j'ai envie de dire, pour continuer à bien faire votre travail. En tout cas, merci d'avoir attiré notre attention sur ces conditions de travail difficiles en gériatrie, en milieu hospitalier. Oui. Et bon courage, merci. Nathan. Merci beaucoup, Caroline. Au revoir. Au revoir. La fièvre prend fin. M'aimeras-tu demain? Brigitte, à bouche, que veux-tu ? J'ai Sabine qui est du Gers et qui me dit en tant que patiente, j'ai été hospitalisée, dit Sabine, j'ai pu constater l'absence de personnel, c'est évident. On accueille maintenant Marie, je crois. Bonsoir Marie. Oui, bonsoir. Bonsoir. Caroline.
Oh, excusez-moi, je suis émue. Je suis émue de vous avoir. Il ne faut pas vous excuser d'être émue. Voilà, je vais avoir un peu tremblante parce que bon, j'ai un gros souci. Je ne sais pas trop par où commencer, mais bon, je vais essayer. Oui. Pour vous dire aussi que j'adore votre émission et que je vous apprécie beaucoup et tout le soutien que vous apportez. Merci Marie, voilà. Ben, je vais essayer avec vous en tout cas par rapport d'accord, à ce qui j'espère, se passe. D'accord, j'espère parce que c'est vous êtes un peu angoissée, m'a dit oui. Jeanne, je crois. Hein, avez... Oui, je suis très très nouée, on va dire. Hein, oui. Ce soir particulièrement ou depuis un petit moment? Oh non, ça fait très très longtemps. Là, bon, il y a l'émotion parce que je suis au téléphone et que j'ai peur de ne pas pouvoir m'expliquer, voyez-vous, c'est ça surtout. Ah non, alors ça, c'est, vous inquiétez pas, on va y arriver. Hein. Je pense oui, que oui. On va dénouer ça, le problème. Après, bon, vos oui. nœuds à vous, je ne sais pas, mais déjà en parler oui. parfois, c'est un peu s'alléger. Je compte sur vous pour m'aider un petit peu. Allez, alors on va commencer, on se lance. Qu'est-ce qui vous arrive? Alors voilà, ça fait, j'étais en relation pendant, j'ai vécu une relation de couple pendant 12 ans avec mon conjoint. Voilà, nous ne sommes pas mariés, hein, lui est veuve de son côté, moi divorcée, voilà. Mais ça a toujours été une relation très très compliquée, parce que bon, déjà... D'une part, bon, il a deux enfants, deux grandes filles, mais bon, des enfants qui n'ont jamais accepté la relation. Hein. Ah bon? Non. Par jalousie, par... Et jalousie par rapport à quoi? Leur mère ou... Leur maman est décédée, donc il y a 12 ans de ça. Hein, oui, donc elles ont... Et vous, il y a 12 ans aussi que vous êtes avec lui, elles ont eu du mal à vous accepter comme si vous preniez la place de leur mère. Exactement. Ça déjà, ça me pèse depuis, bah, oui. depuis 12 ans. Déjà, c'est difficile hein, d'être rejeté, d'être. Ça complique les choses. Oh là là, oui. Il y a eu des tas de problèmes, enfin de disputes, enfin. Le souci est que voilà, ça fait. Nous travaillons ensemble, donc bon, moi je travaillais dans une entreprise. Et lui, dans la sienne, voilà, c'est son entreprise, hein, c'est une société qu'il a créée, il m'a gentiment proposé de venir travailler avec lui, donc de m'embaucher dans sa société, donc très bien. Mais seulement, bon, c'est encore d'autant plus difficile, puisque déjà qu'il y avait des tensions, donc c'est très difficile à gérer. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est très désordonné, très très désordonné, très excessif, oui. Qui s'emporte pour un oui, pour un non. Bon, parce qu'évidemment, il y a quand même les responsabilités. Hein, alors j'espère qu'il a une bonne assistante, un bon comptable, qui justement mette de l'ordre dans tout ça. Alors, après tout, il a d'autres qualités certainement pour gérer son entreprise et puis des personnes qui s'occupent qui ont plus de rigueur dans les comptes. C'est ça, c'est pour ça qu'il m'a embauchée, voyez-vous. C'est vous qui vous occupez de ça, oui, d'accord. Voilà. Il y a une comptabilité en dehors de l'entreprise, hein, un petit expert comptable. Oui. Mais moi, je fais donc tout ce qui est facture, tout ce qui est administratif, en fait. Hein. Je fais autant bien que mal, hein, parce que j'ai appris sur le tas. Mais bon, c'est pas facile. C'est pas facile parce que c'est quelqu'un qui s'énerve beaucoup. Et d'autant plus qu'il est tombé malade, ça fait un an. Il a un cancer de la prostate, voilà. Comment vous dire? Alors là, parmi tant de disputes, là, il y en a une. On s'est fâché au téléphone mardi matin parce qu'il essayait d'avoir un ouvrier qui travaillait avec nous. C'est notamment mon fils, parce que nous travaillons en famille. Ah oui, c'est vraiment une entreprise familiale. Là. Familiale, voilà. Oui, vous êtes au compte, faites les comptes. Votre fils, lui... Et ben, il donne un coup de main, voilà, en livraison, il appelle d'offre. Et il est salarié permanent, votre fils aussi? À mi-temps, d'accord. Oui. Et à mi-temps dans une autre société qui est juste... Alors, qu'est-ce qui s'est passé mardi, là? Oh, il était énervé parce que c'est quelqu'un qui est impatient, si vous voulez. Ça, c'est une dispute parmi tant d'autres. Hein, parce qu'il fallait absolument qu'il ait, donc mon fils, hein, donc, au téléphone, il était, je ne sais pas, 8h15 du matin, quelque chose comme ça.
Parce que il voulait savoir où en était pour le camion qui la veille a été mis en, réparation et ouais, mais vraiment c'est un truc de rien quoi. Vous voyez, c'est tout un. Oui, enfin c'est les soucis qu'on peut rencontrer dans le oui, dans le travail, dans ce genre. Bon, il était voilà, ça marchait pas comme il voulait savoir où était votre fils. C'est ça, c'est ça. Qui ne répondait pas. Veille, bon. Et pourquoi, qu'est-ce qui se passe pour qu'on en vienne peut-être sans trop rentrer dans les détails. Qu'est-ce qui fait que vous êtes si angoissé vous par rapport à ça? Vous avez raison. Oui, parce que c'est pas la peine. Vous voyez, peut-être qu'il y a des détails qui auront un intérêt, d'autres qui vont faire qu'on va un peu se perdre dans votre histoire. Oui, c'est vrai. Donc, dites-moi plutôt, raison, parlez-moi de vous. Qu'est-ce qui fait que vous êtes vous si angoissée? Alors, bon, je suis angoissée parce que donc j'ai mis fin à la relation du fait qu'on a, on s'entend pas, on n'a pas une. Ah, depuis mardi là. Non, on s'est jamais trop entendu en fait, si vous voulez. Je me suis rendu compte que j'étais dans une relation qui n'est pas. Qui me convient pas, du fait qu'il y a des problèmes familiaux, du fait que, bon, j'ai hésité avant qu'il m'embauche, j'ai bien réfléchi longuement et j'ai fini par dire oui parce que, pour essayer, pour, de travailler un peu avec lui pour voir si ça allait fonctionner, voyez. Et je m'aperçois que non, parce qu'il s'énerve tout le temps. Il n'accepte pas que je m'énerve. Moi, je lui ai reproché, voilà, il m'a mis en panique parce que tôt le matin, il me demandait pourquoi qu'il n'arrivait pas à le joindre et comment ça se fait. Il est anxieux, certainement. C'est un, un anxieux. Et puis peut-être d'autant plus depuis qu'il est malade aussi. Oui, est-ce que ça ne s'est pas accentué son état Non, bah, ça c'est sûr. Ça, c'est même, ça doit jouer, ça. Oh là là, oui, ça fait sur les nerfs. Moi, je pense même qu'il fait une dépression, voyez-vous. Pourquoi enfin, il a l'air bien actif pour quelqu'un qui est en dépression. Mais, ah oui, mais trop même. Trop actif, oui, c'est ça, trop actif. Oui. C'est ça, c'est sa façon à lui peut-être de lutter, justement. C'est peut-être la forme, le revers de la dépression, mais vous avez peut-être pas tort, oui. C'est une façon de lutter contre peut-être toute cette activité qui c'est vous épuise finalement. Se réfugie, voilà, c'est ça. Il se réfugie dans le travail dans pour le travail. Ne pas penser. Dans le travail, c'est ça. Et en fait, je me rends pas compte que oui, travailler ensemble, c'est très difficile. Oui, c'est là où peut-être, qu'est-ce qui fait, c'est dommage que déjà, votre relation, il y avait des tensions. Pourquoi vous avez accepté, au fond, de travailler avec lui? Vous saviez que vous êtes très différents, mais en vous voyant sur le plan privé, vous pouviez aller au-delà. Or là, ces différences, ça a de lourdes répercussions, parce que c'est vous qui devez gérer un peu son côté, son bazar, quoi. C'est-à-dire, vous dites qu'il est désordonné, vous devez mettre de l'ordre dans tous les comptes. Exactement. Et vous seriez une salariée classique, bon, vous pourriez lui dire les choses clairement, alors que là, il y a trop d'affectifs entre vous. Oui, c'est ça, mais c'est moi qui prends, si vous voulez. Mais c'est sur moi que... Oui, oui, certainement plus qu'avec les autres, parce que comme vous êtes la plus proche... Oh là là, des fois, il prend des crises de nerfs, oh là, c'est affreux, c'est insupportable, c'est invivable. Oui, alors, il ne faut pas que ça vous rende malade, vous. C'est-à-dire que si vous êtes, vous me dites, vous êtes très noué, c'est-à-dire que vous accumulez beaucoup de tensions, beaucoup de stress... Et... Ben, j'ai de la colère, j'ai en même temps, j'ai de l'empathie, vous voyez, je suis prise entre tout ça, quoi. Je sais pas quoi faire, je me dis que ça, en fait, ça ne mène à rien. De devoir supporter, ben, ses mauvaises humeurs, son agressivité, à me menacer qu'il va se suicider, que ça sera à cause de moi, qu'il est malade, que c'est à cause de moi. Là, il va pas bien, effectivement, s'il dit tout ça, c'est qu'il va pas bien, là. Voilà. Mais là, c'est à vous. Vous avez raison dans ces cas-là de mettre des limites. C'est-à-dire de dire que vous ne devez pas devenir son punching ball et à encaisser finalement toute cette agressivité qui est certainement le fruit d'une angoisse profonde. Pour autant, ce n'est pas une raison pour prendre ça en pleine figure parce que c'est vous qui allez finir par être malade aussi. Ben oui, non mais là, mais moi je suis déprimée, j'avoue, hein, ça fait, oh là là, j'ai trop de... Oui, mais parce qu'il y a trop de tensions, il y a trop de problèmes, il y a trop de stress. Oui. Mais est-ce que vous, finalement, vous pourriez pas envisager de plus être de salarié de lui? Je trouve que c'est pas une bonne chose que vous soyez mise dans cette situation. Non, je regrette énormément parce que... Mais il est peut-être possible de faire autre chose. Enfin, je dis pas de partir du jour au lendemain, évidemment, ça vous arrangerait pas. Oui. Mais en tout cas, de faire des recherches en lui expliquant, en disant c'est pas possible, c'est finalement notre relation qui en pâtit. Je lui ai dit parce que si vous voulez, lui, il m'a embauché dans le sens où bon, c'était de bonnes intentions, attention. Oui, certainement en plus. Oui, il est gentil, il est sociable, il est voilà, il a de bonnes qualités, mais alors.
Mais il va pas bien en ce moment, vous le dites vous-même, il est certainement, bon déjà c'était quelqu'un d'assez hyperactif, et là comme il est malade, comment ça se passe? Il a été opéré, il a de la chimiothérapie, qu'est-ce qu'on lui fait? Non, alors il a fait de la radiothérapie pendant 2 mois. Ça s'est terminé au mois de mars. Oui. Et voilà, ça a nettoyé un peu. Hein, ça s'est arrêté là. Hein, Il a quel âge? Écoutez, nous avons 12 ans de différence. Il en a 64 et moi, je viens d'en avoir 52. D'accord. Donc, le but était de... Il m'a débauché là où je travaillais pour... mais il me reste à peu près 10 ans pour la retraite, pour travailler les dernières 10 années avec lui. Et, que vous soyez mieux rémunéré ? Aussi. Oui, au départ, ça partait d'une bonne intention, vous le dites vous-même, il vous a pas mis là pour vous pourrir la vie après. Non, il voulait au contraire vous offrir une certaine sécurité, y compris par rapport à votre retraite à venir. Exactement. Mais le problème, c'est que vous arrivez... C'est difficile, hein, déjà, de travailler ensemble. Il y a des couples qui sont très fusionnels, qui ont un mode de relation très fusionnel, donc ils font tout ensemble, donc travailler ensemble... convient à ce type de couple, même si évidemment il peut y avoir des heurts et des tensions. Mais quand on n'a pas un fonctionnement comme ça fusionnel, c'est compliqué de travailler ensemble et ça peut même gâcher, ternir la relation. C'est ça. Et moi, si vous voulez, j'avais accepté à ce moment-là, avec des difficultés, j'ai mis du temps à accepter, au moins 3 mois à réfléchir, ok, j'ai demandé à mon entourage et tout, mais parce que ça ne se passait pas bien où je travaillais, je travaillais en usine, la mentalité usine, vous savez, c'est difficile quand même, hein, très peu de reconnaissance. Je comprends d'autant plus qu'effectivement, cette offre, elle vous est parue beaucoup plus avantageuse, si vous n'étiez pas bien, vous en aviez un peu assez de l'ambiance dans votre travail. C'est au moment où ça tombait très bien, parce que j'allais très mal là où j'étais. Voilà, tout simplement. Bon, mais il faudrait peut-être voir avec lui, lui dire que, en tout cas, vous, c'est pas envisageable de continuer dans ce contexte-là. Vous savez bien qu'effectivement, en ce moment, c'est difficile, qu'il est plus fatigué, plus anxieux, mais qu'en même temps, vous pouvez pas accepter d'être traité de la sorte. Vous seriez une salariée classique, vous n'accepteriez pas comme ça. Et c'est pas parce que vous êtes sa compagne que vous devez tout prendre en pleine figure. C'est ça. Mais quand il est calme, c'est-à-dire dans le moment, dans l'énervement, comme vous dites, c'est vous qui prenez. C'est ça. Bon, dans les faits, donc dans la colère, vous lui avez dit que vous vouliez arrêter la relation, c'est ça? Oui, parce qu'il s'en prenait après moi, je vous dis, parce que voilà, la personne devait répondre absolument à... Alors moi, ça m'a mis en panique. Je me dis, oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tant plus que c'est mon fils. Je me dis, attends, peut-être qu'il n'est pas trop encore arrivé au travail, etc. Vous voyez, ça m'a mis en panique. Déjà, j'angoisse assez facilement. Mais ça mon ressenti, c'est de la pression, comme une pression. Mais oui. Vous voyez? Oui, comme quelqu'un qui est face à quelqu'un qui est très anxieux. Et puis, comme vous-même, vous êtes anxieuse, ça va pas. C'est ça. Alors, quand je lui ai dit, écoute, bon, après, j'ai fini par avoir mon fils au téléphone. Et bon, je me suis rassurée, donc il allait bien. Il avait juste oublié son portable dans la voiture. Donc, forcément, on ne pouvait pas répondre, etc. Puis, donc, j'ai rappelé mon conjoint. Puis, je lui ai dit, tu sais, écoute... Je dis, comme j'y pense là, parce que ça, c'est pas la première fois qu'il est comme ça, c'est tout le temps comme ça. Quand j'y pense là, tu m'as téléphoné à me mettre, tu m'as fait peur parce que je me suis inquiétée. Hein, pour votre fils. Je dis pas le prénom. Mais je te vois. Là, il est capricieux. Lui, quand il veut tout, c'est tout de suite, voyez. J'ai ressenti comme une pression et faut que t'arrêtes, ça m'énerve. Oh là là, je vous dis pas. Il s'est mis à hurler. Oui, écoute, excuse-moi de m'avoir inquiété pour mon camion. Voilà ce qu'il me dit. Non, attendez. Oui, évidemment. Oui, vous inquiétez pour votre fils. Mais vous voyez comme finalement, à travailler ensemble, vous faites du mal parce que... Oui. Vous êtes déjà, vous, anxieuse. Le fait d'avoir lui sur votre dos qui vous stresse, et ça part chacun... C'est ça. Je pense, dans l'avenir, il faudrait plutôt... Si vous voulez arrêter cette relation, ça vous regarde, mais...
Mais en fait, finalement, vous semblez dire, je vois sur votre petite fiche que depuis que vous lui avez dit ça et que vous n'avez plus de nouvelles, ça vous angoisse aussi, si je comprends. Oui, mais alors, c'est pareil. Alors, tout s'est enchaîné et ça, c'est dans ses habitudes et c'est là où là, c'est pour ça que je me demande... Pour moi, j'ai mis fin à la relation. Je me demande si j'ai bien fait, pas bien fait. Parce mais que comment vous allez faire au niveau du travail ? Mais c'est ça, voilà. C'est parce que c'est le problème. C'est-à-dire que vous vous mettez dans une situation compliquée. Vous mettez fin à la relation avec lui, certes, mais si vous ne vous présentez pas au travail, qu'est-ce qui se passe ? Vous vous mettez en difficulté ? Si, je vais me présenter. J'avoue que jeudi, vendredi, bah, évidemment, je n'ai pas eu envie d'y aller. Voilà, je ne suis pas allée. Quand c'est comme ça, je le supporte pas. Mais je pense qu'il faudrait que vous ayez une explication avec lui. Mais au moment où il est calme. Il refuse, Caroline, il refuse. Il dit qu'il n'a rien à me dire. Alors, quand il est en colère. Mais parce que mutuellement, vous vous angoissez. C'est-à-dire qu'à un moment, il faudrait que vous arriviez, vous, à prendre du recul et à dire que vous n'avez pas à tout accepter. Et que par moment, effectivement, il abuse parce qu'il est surexcité, parce qu'il est anxieux et que c'est vous qui prenez. Vous ne pouvez pas travailler bien dans ces conditions-là. Soit il en a conscience et il vous ménage. Il va, je sais pas moi, crier un grand coup dans un bureau, mais pas sur vous. Qu'il en prenne conscience. Vous ne pouvez pas travailler dans une ambiance aussi stressée. Non. Et à ce moment-là, si lui, en disant, vous comprenez, il a des raisons, il est anxieux certainement. Il en parle de sa maladie ou pas ? Oui, mais qu'à moi. Il a, avec ses enfants, il se comporte différemment. Tout va bien. Oui, voilà, tout va bien. Non, je vais bien. Enfin, tout va bien. Ben, voilà. Je pense que pourtant qu'il devrait un peu se faire aider parce qu'il a certainement besoin un peu d'en parler. Et vous pouvez pas jouer tous les rôles. Vous pouvez pas jouer le rôle du psy, de l'assistante parfaite, de la maîtresse. C'est pas possible. Vous en avez exactement. Trop sur les épaules. J'ai trop de casquettes. Et exactement. Tout le monde craquerait à ce niveau-là. C'est mais ça. Bon, il faut reconnaître que vous-même, à un moment, et pour les raisons que vous avez évoquées, hein, vous êtes mise encore plus dans cette dépendance. Alors, maintenant, vous ne pouvez pas, étant donné que vous êtes salarié, vous ne pouvez pas tout envoyer balader du jour au lendemain. Mais non. Il s'agit, avec lui, d'en parler. Dire que si, dans le métier comme ça, il continue à vous traiter mal, ça va vraiment nuire à votre relation affective et amoureuse. Or, il tient à vous, cet homme. Oui, mais on est dans une relation en plus. On est dans une relation amie. On est amis. Il n'est plus dans une relation amoureuse. Oui, depuis sa maladie ou avant? Plus depuis sa maladie quand mais même. Oui, mais c'est un peu normal. C'est ça. C'est normal, oui, Marie, aussi. Que... Enfin, je veux dire, vous me dites qu'il a un cancer de la prostate, il est suivi depuis un an. C'est forcément son angoisse, elle se répercute aussi concrètement au niveau de votre intimité, de la sexualité, d'une absence de sexualité. Exactement, il a peur, enfin... Oui. Il n'est pas déjà. C'est même pas. Je sais même pas s'il est frustré. Lui seul pourrait dire, mais il est certainement très angoissé. Il est certainement très angoissé. Oui, c'est quelqu'un très angoissé. Et donc déjà, s'il a un tempérament anxieux, en plus du fait de cette maladie, qui porte quand même sur, il peut avoir peur et il peut se dire, est-ce qu'il a les traitements, qu'il a au moins de désir. Enfin, il est anxieux. Mais ça, si vous voulez, il faudrait que vous puissiez aussi en parler avec lui, parce que tout ça, ça doit générer de l'agressivité, de la frustration. Et il faut prendre les choses point par point. Or là, tout est mélangé maintenant. Vous lui en voulez pour le boulot, vous lui en voulez pour la vie privée, vous voyez, tout est mélangé. Et je crois qu'il faut vraiment en parler avec lui. Il ne s'agit pas d'avoir une discussion de façon agressive, mais en disant que où vous en êtes de votre relation finalement et qu'il faut vraiment faire la part des choses et que si ça se passe mal dans le travail, forcément ça va avoir beaucoup de répercussions sur votre vie privée et que peut-être c'était pas une bonne idée d'ailleurs en l'état actuel des choses. À l'évoquer en disant peut-être que vous de votre côté, il faut commencer à envisager, sans avoir le couteau sous la gorge, mais à trouver autre chose ailleurs. Oui, et peut-être que le fait même que vous évoquiez cela calmement, c'est-à-dire que c'est pas un chantage que vous lui faites, mais en disant, au fond, c'était peut-être pas une bonne idée parce que ça a trop de répercussions sur notre vie affective, en disant que vous tenez à lui et comme il tient à vous, qu'il est peut-être préférable que vous trouviez ailleurs. Du coup, il va vous mettre moins la pression aussi. Oui.
Engie demande si l'entreprise, par ailleurs, fonctionne bien ou il y a des soucis à ce niveau-là? Non, il y a des soucis. Il y a des soucis aussi. Bon, oui, donc, tout ça cumulé, ça fait beaucoup. C'est ça. Si vous voulez, son entreprise elle existe depuis 7 ans, mais moi, ça fait que 3 ans que je travaille avec lui. Déjà, à l'époque, les problèmes étaient existants parce qu'il avait deux associés avec qui il ne s'est pas entendu du tout parce qu'ils en ont profité, etc. Ils ne s'entendaient pas. Et bien, quand il rentrait à la maison, c'est moi qui prenais, il fallait qu'il se décharge. Il rentrait, il était énervé de la journée qu'il avait passée parce que il n'y a rien à l'air. Enfin, voilà. C'est moi qui. Vous voyez ? Oui, mais vous avez raison de ne pas tout accepter. Mais dites-le aussi. Mais je le dis, Caroline, il veut rien entendre. Oui, mais dites-le vous êtes au calme, pas dans des moments de dispute et de tension et de conflit. Il me dit, je sais, c'est vrai. T'as raison, mais voilà. Après, oui, mais alors après, ça veut dire qu'effectivement, une fois que vous avez dit ça, il faut plus accepter. C'est-à-dire que vous ne laissez pas passer. Une fois que la moindre chose, vous pouvez effectivement à ce moment-là, non, vous quittez le lieu de travail, vous sortez de la pièce. Vous sortez de la pièce, dire non, là je suis désolée, mais non, je ne vais pas. Parce que s'il dit je m'excuse, tu as raison, mais que dans l'heure qui suit, il recommence à hurler, à vous crier dessus, là, vous sortez de la pièce, vous le laissez dire non, je ne vais pas continuer à subir comme ça. Et à ce moment-là, au calme, vous dites. Tu as des raisons, effectivement, d'être anxieux, d'être soucieux, mais moi, j'ai pas à tout prendre en pleine figure, comme ça, parce que c'est moi qui vais finir par tomber malade. Et à ce moment-là, qu'il en parle à son médecin, qu'il ait peut-être un traitement d'anxiolytique, qu'il se fasse un peu aider. N'acceptez pas aussi, justement, de tout accepter. Donc, c'est une bonne chose que vous soyez parti en fixant des limites, et maintenant, bon, vous revenez travailler en début de semaine, mais vous en parlez avec lui, en privé, là, en disant qu'est-ce qui se passe, on ne peut pas continuer comme ça. Oh là là, je fais que ça de lui dire ça. Oui, mais dites-le, je pense, Marie, vous lui dites, mais effectivement, après, hop, vous êtes reparti dans le quotidien, et à nouveau, hop, lui repart dans son fonctionnement, vous dans le vôtre, et donc du coup... Le problème, Caroline, c'est que c'est quelqu'un qui fuit. Il fuit toute discussion, il fuit. L'exemple là, de ce qui s'est passé dernièrement, donc ça c'était mardi. On s'est disputé. Bon, moi je suis rentrée, lui il est rentré après dans la soirée. Il m'a ignorée complètement. Moi de même, forcément. Non, mais on est devenus vraiment. On cohabite, voilà. Je savais qu'à ce moment-là, lui le savait aussi qu'on ne pouvait pas discuter parce que, on s'enflamme tous les deux, c'est sûr. Moi, j'ai mes raisons, lui, il a les siennes. Bon, voilà, on n'arrive pas à s'entendre. Le lendemain, Caroline, donc c'était mercredi, donc moi, je suis partie au travail. Il a été faire ce qu'il avait à faire. Mon fils n'était pas là, dans cette matinée-là. Il faut donc qu'on se dépêche parce que l'heure tourne, il va être minuit, je ne peux pas vous reprendre après. Qu'est-ce qui se passe J'ai voulu en parler justement, vous voyez, on était tous les deux, j'ai voulu en parler de ce qui s'était passé, que ce n'était pas bien et qu'il me laisse comme ça en plan sans me donner une explication, rien. Et il me dit, c'est toi. Oh, il me dit, il faut que je te laisse parce que là, je vais aller manger avec mes petits-enfants. J'ai pas le temps. Bon, donc, à partir du moment où il fuit les discussions, comme dit Brigitte, posez des actes nouveaux. Et pour que lui réagisse autrement aussi. Elle a raison. Tant pis. Et à ce moment-là, vous vous mettez en arrêt maladie. Et tant qu'il n'aura pas dit. Mais parce que si, c'est vrai que si vous revenez, toujours vous allez repartir dans votre fonctionnement infernal. Marie, oui, mais vous êtes dans un fonctionnement infernal. Donc, soit à un moment, vous arrêtez définitivement, soit à un moment, vous dites très clairement, si tu ne changes pas, si tu ne fais pas aussi un peu attention à moi, je vais m'en aller. Mais qu'il comprenne, parce que là, vous dites oui, tout ça, mais au fond, vous restez. Donc, ça va pas. Donc, il faut un moment. Elle a raison. Vous pouvez pas seulement parler, mais poser des actes. D'accord, Caroline. D'accord. Bon courage. Au revoir. Au revoir, Marie. Au revoir.
de nous rejoindre si vous arrivez maintenant sur Europe 1. C'est l'heure de votre libre antenne. Le dimanche, nous sommes ensemble en direct de 23h à 1h et le 39-21 est le numéro que je vous invite à composer si vous souhaitez me parler. Et également à réagir par mail europe1.fr ou par SMS au 739-21 en commençant votre message SMS par le mot nuit, si vous voulez bien qu'il me parvienne. Alors, un petit message justement de Mam pour Marie qui nous expliquait la situation compliquée qu'elle avait avec son compagnon, d'autant plus depuis qu'ils travaillaient ensemble. Et Mam dit, ne restez pas comme ça, dites-lui hein, vraiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Sinon, vos enfants vont vous ramasser la petite cuillère, faites une pause et prenez soin de vous avant tout. On va maintenant accueillir Christiane, bonsoir. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir Christiane. Merci de prendre mon appel. Mais je vous en prie. Alors, je vous appelais à propos d'une amie, d'enfance à moi, une amie très chère avec laquelle on a toujours eu des contacts assez francs. Oui. Donc, cette amie a perdu son compagnon, il est décédé, ça fait 18 mois à présent. Donc, effectivement, après le décès, comme tout un chacun, elle s'est laissée un petit peu recroquevillée sur elle-même. Mais les mois passant, elle s'est carrément... Elle glisse, elle s'est mise dans une bulle. Elle ne veut pas en sortir. Elle ne veut voir personne, ni famille, ni amis. Si je puis me permettre, la seule personne qu'elle souhaite encore voir, c'est moi. Donc j'essaye de un petit peu de la raisonner, mais elle ne veut rien entendre. Alors elle ne veut pas voir de médecin, elle ne veut pas voir sa fille qui est à l'étranger, qui s'inquiète effectivement beaucoup. Mais qui est revenue, je crois, sa fille ce week-end. C'est ça, et elle était là. Elle est revenue ce week-end. Donc là, nous. Donc c'était sa fille est revenue. Elle ne lui a pas ouvert la porte. Alors sa fille est revenue donc le premier soir. Sa fille est revenue jeudi. Donc elle était aux abonnés absents. Donc sa fille a insisté la voir. Elle est pour la voir. Sa fille a couché chez un cousin. Elle a encore un cousin sur la région. Et enfin, elle a quand même réussi. Donc, elle m'a appelée. Elle m'a dit, si tu peux avoir maman. Donc, moi, j'ai essayé le soir. Alors, je pense qu'elle ne veut pas répondre. Donc, elle n'a ni téléphone portable, ni répondeur. Enfin, elle se coupe de tout. Et le lendemain matin, sa fille a réussi à la voir. Donc, elle est passée la voir chez elle. Et puis, elle lui a dit qu'effectivement, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Elle lui dit non, elle dit d'ailleurs je t'avais prévenu que ce n'est pas la peine que tu viennes parce que tout va très bien. Elle dit non maman, elle lui dit je vois très bien que ça ne va pas. Et sa fille auparavant avait téléphoné au médecin de famille. Mmh. Et elle s'en était ouverte et le médecin l'a un petit peu, je dirais pas très bien reçu en disant qu'il ne pouvait pas faire une consultation par téléphone, soit. Mais il a dit il faut que tu m'amènes ta mère parce qu'il faut en avoir le cœur net. Et moi-même, j'en ai parlé à mon médecin que j'ai consulté là pour un vaccin antigrippal. Et il m'a dit, écoutez, effectivement, fait qu'elle consulte, mais d'après ce que vous m'en expliquez, votre amie, c'est plutôt un problème de psy qu'elle devrait avoir qu'un problème médical. Mais pourquoi vous dites psy ? Parce que le fait, c'est quoi le problème ? C'est-à-dire que le problème, c'est qu'elle s'est beaucoup isolée depuis la mort de son mari, c'est-à-dire qu'elle ne veut plus de contact avec sa famille, avec ses amis. Vous êtes une des seules, voire la seule, avec qui elle a des contacts. Vous la voyez, vous la rencontrez. Bon. Et quand vous qui la voyez, justement, c'est-à-dire, comment elle est ? Comment vous la trouvez, vous ? C'est-à-dire, est-ce qu'elle parle ? Est-ce qu'elle... Alors, je lui parle de deux choses, de présent, de passé, de notre enfance. Alors, elle réagit parfois, elle réagit même très bien. Mais, j'y vais doucement parce que je veux surtout pas, parce qu'elle va se refermer complètement. Et je lui dis écoute, je vois que tu ne vas pas bien. Il faut qu'on ait consulté. Il m'a dit, pourquoi tu as consulté ? Je suis en pleine forme. Mais le gros problème qu'elle a, un problème qui vient se greffer dessus, c'est qu'elle marche. Et quand je vous dis marcher, elle part du matin jusqu'au soir. Et là, elle m'a dit la dernière fois que je l'ai vue, je l'ai vue ce week-end avec sa fille, mais la semaine dernière, nous avons déjeuné ensemble.
Et elle m'a dit, j'ai des insomnies pas possibles. Elle m'a dit, je vais marcher. J'ai dit, là, tu es en train d'expliquer que tu te réveilles à 3h du matin, que tu n'es pas bien, que tu vas marcher. Elle m'a dit exactement. Mais j'ai enfin, c'est... Elle a angoissé, donc finalement, ça l'a... elle a besoin de... Elle... Certainement que ça, c'est une façon d'évacuer la tension qu'elle ressent par l'exercice. Certainement, c'est d'ailleurs c'est ce que mon médecin m'a dit. Enfin, là, bon, il y a c'est déjà peut-être pas tout à fait normal. Et en plus, bon, il y a le côté dangerosité. Pourquoi elle habite où ? Elle est en banlieue. Nous habitons à 20 km, mais elle est en banlieue. Une banlieue, bon, qui avec tous les risques que ça comporte, comme toute banlieue en pleine nuit. Et c'est contradictoire. Elle ne se plaît plus chez elle, en ce sens que je vais vous donner un exemple très, très, très frappant qu'elle ne se plaît plus chez elle. C'est que quand ses voisins partent en vacances ou partent dans leur maison de campagne quelque temps, elle va dormir chez eux, alors que les voisins ne sont pas là. Et j'ai dit, mais tu as prévenu ta voisine ? Elle dit, bah, de toute façon, elle n'est pas là. Elle lui a donné les clés pour s'occuper, au cas où il y aura un problème. Elle a la clé pour surveiller la maison et... Et donc, c'est pour ça qu'elle sort aussi beaucoup. Elle a du mal à rester dans son, dans son logement qui lui rappelle qu'il est trop chargé de souvenirs, certainement. Je ne saurais vous dire. Parce mais que est-ce que vous trouvez qu'elle a maigri ? Est-ce que vous trouvez, je ne sais pas, est-ce que vous trouvez un changement physique oui, tout à ou fait. Pas ? Un changement physique, un changement physique et... Vous lui avez dit ? Je lui ai dit. Je te trouve vraiment très changée, je m'inquiète pour toi. C'est ça qu'il faut lui dire finalement. Aller clairement au but. Vraiment lui dire les choses, pas prendre... En lui disant, justement, en tant qu'amie très chère, que vous voyez bien que depuis la mort de son mari, elle n'est plus la même. Et que vous vous inquiétez beaucoup pour elle. Parce que vous qui la connaissez depuis l'enfance... qui savait justement quel type de personnalité elle a, normalement. Là, vous vous rendez compte qu'elle a beaucoup, beaucoup changé et que ça vous inquiète beaucoup. Vous faites du souci pour elle, c'est ce qu'il faut lui dire. Alors ça, clairement, il ne s'agit pas de... Je lui ai dit, Caroline, et elle me dit, mais je ne le vois pas, pourquoi tu t'inquiètes pour moi tout... Alors, si vous voulez... Parce qu'elle est dans un déni, à l'évidence, un déni de son problème, mais en même temps, vous pouvez dire, en lui donnant des exemples précis, tu dis toi-même, finalement, qu'est-ce qui fait que tu éprouves le besoin d'aller marcher comme ça la nuit, qu'est-ce qui se passe, pour calmer tes angoisses. Voilà, c'est une façon certainement de cette agitation intérieure qu'elle ressent de la traduire en acte, de marcher pour évacuer tout ça. Alors, certainement que c'est un fait, cette marche. Mais si vous voulez, du temps où son compagnon était avec elle, elle avait déjà ses symptômes. Mais bon, il la boostait un petit peu. Mais par exemple... Elle était déjà insomniaque et elle se promenait la nuit. Alors, non, promener la nuit, c'est tout à fait récent. Mais qu'est-ce qu'elle avait comme symptôme ? Parce que marcher, c'est en soi, c'est pas un symptôme, hein, c'est même. Oui, mais parce que bon, elle va faire 36 fois le tour des mêmes rues, s'arrêter, regarder. Et moi, ce que je ne la vois pas faire, mais j'ai des amis où mon ami habite et qui m'ont appelé. Et ils m'ont dit, est-ce que ton amie va bien ? Parce qu'on la voit là, on la voit là. Elle n'a pas l'air d'être elle-même. Mais ça, elle le faisait déjà, du ton du vivant de son mari. Elle déambulait un peu comme ça. Mais elle se tenait un petit peu plus, même au point de vue, si vous voulez, en général, bon, elle se coiffait, elle s'habillait. Que là, la semaine dernière, vous auriez dit une petite miséreuse. Quand je suis arrivée, j'ai dit, là, ça ne va pas du tout. Enfin, bon, est-ce qu'elle a des idées noires ? Est-ce que quand vous la voyez, ou est-ce que justement, elle est dans un déni de ses problèmes et elle vous dit que tout va très bien ? Elle est active, mais elle n'a pas l'air, dans ce que vous me dites d'elle, d'avoir des idées dépressives, des idées noires, des idées de suicide. Comment ? Je pense qu'il y a une base de dépression. Oui, mais elle n'évoque pas, elle est plutôt dans un déni, semble-t-il. Elle n'évoque pas, elle ne vous dit pas, vous ne la voyez pas en train de pleurer, vous ne la voyez pas... Il y a quelque chose qui est très masqué, finalement. Oui. Elle ne parle pas d'idée de dire qu'elle n'en peut plus, qu'elle ne supporte plus sa vie. Elle ne dit pas les choses. Elle a dit qu'elle ne supporte... Là, la seule chose qu'elle me dit, c'est que je ne supporte plus de rester dans cette maison. Et pourquoi elle ne partirait pas, finalement ? Nous lui avons dit, que ça, je lui ai dit.
Je lui dis, écoute, tu déménages. Elle dit, oui, mais c'est un gros cassement de tête. Je lui dis, écoute. Oui, je pense qu'il faudrait l'aider. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là sa fille qui pourrait envisager. Elle n'est pas à même de le faire elle-même, je crois. Ah, non, mais ça, tout à fait. Elle est trop fatiguée, certainement. Elle a de la famille en province qui s'est proposée de venir pour le déménagement. Nous-mêmes, sa fille a dit, maman, je prendrai quelques jours. Et là, quand sa fille est venue, donc là, elle lui a reparlé de la maison. Elle lui a reparlé de son état général. Et donc, elle a dit, maman, écoute, moi, j'ai pris rendez-vous avec le médecin. On va aller voir le médecin. Et elle n'a jamais voulu. Donc ça et finalement, alors, votre inquiétude, si vous vous demandez quoi, comment faire, qu'est-ce qui se passe, c'est-à-dire, vous en avez parlé à votre médecin, voilà, sa fille en a parlé au médecin traitant. On ne sait pas comment faire pour la décider. Mais si elle est dans un déni de ses problèmes, oui, vous ne pourrez pas la décider. Non, mais si lui, et Caroline, moi je me dis que tout le monde voit ce qui se fait et je vous assure. Mais qu'est-ce qui vous inquiète? Vous avez peur de quoi? Donc de l'agression quand elle marche la nuit et sinon. J'ai peur d'un problème qui je pense commence à se profiler, un problème de confusion mentale. Un problème de boisson. Vous pensez qu'elle s'alcoolise? Comment? Qu'est-ce qui vous fait dire qu'elle s'alcooliserait, cette dame? Eh bien, parce qu'on m'a appelé à ce propos. Et c'est vrai que, bien qu'elle, comment dirais-je, qu'elle se tienne quand nous sommes ensemble, mais j'ai toujours voulu me masquer le problème et dire non, que c'était pas vrai. Et je pense qu'il est réel. Mais elle avait déjà ce problème avant du vivant de son mari? D'accord, donc vous pensez que ça se serait accentué depuis qu'elle est seule? Donc son compagnon, parce que bon, ils n'étaient pas mariés, mais peu importe, ils étaient depuis 20 ans ensemble. Alors elle a déjà perdu son premier mari à 38 ans. Elle a perdu son compagnon il y a un an et demi, mais du temps à son compagnon, puisque lui-même il m'avait téléphoné en pensant qu'il y avait ce problème qui commençait, et lui-même n'a jamais pu l'amener chez le médecin. Et là, donc, oui, mais ça expliquerait d'autant mieux le déni, effectivement. Elle compense et elle essaie d'apaiser ses angoisses de cette façon-là, ce qui ne fait que les entretenir, mais ça expliquerait effectivement le... Le déni, souvent les personnes qui sont dans une dépendance de ce type sont dans un déni farouche de la réalité. Franchement, concrètement, on ne peut pas l'amener de force voir le médecin, vous ni sa fille. C'est certain. Si vraiment il y a une inquiétude, après sa fille peut demander, puisque le médecin n'a au téléphone semblé assez réticent, bon, il est tenu au secret médical, de fait. Et peut-être que si sa fille allait voir le médecin en consultation, déjà, ça serait plus facile de parler en face à face. Oui. D'expliquer, au vu de ce que vous lui dites, des inquiétudes, peut-être à ce moment-là, où vous trouvez quand même, pour elle-même, pour sa santé, le fait de ses déambulations la nuit. Ouais. Parce qu'à ce moment-là, il pourrait y avoir le seul recours, c'est l'hospitalisation à la demande d'un tiers. C'est possible, ceci. Ah ben bien sûr que c'est une mesure qui existe. Enfin, la personne de la famille peut toujours la demander. Après, effectivement, il y a l'avis de deux médecins qui viennent examiner la personne et qui délivrent ou pas un avis. Vous voyez, c'est les deux médecins qui en décident. Et à l'arrivée à l'hôpital, elle est vue par un troisième. Ça ne se fait pas comme ça parce qu'une personne de la famille demande une hospitalisation. Non, parce que disons que nous y avons réfléchi après. Ce qui aurait peut-être été préférable, c'est que, c'est de prendre sa maman un petit peu en traître, disons, c'est de faire venir le médecin chez mon ami quand sa fille était là. Mais comme le premier jour où elle n'a pas voulu ouvrir ou elle n'était pas là tout simplement. On fait devenir médecin, elle n'est pas là, ça fait un peu désordre, mais c'est vrai que peut-être ça aurait été plus facile. De toute façon, pour faire, même si effectivement il y avait cette possibilité-là, il faudra bien un moment qu'elle voit le médecin. Et dans ces hospitalisations à la demande d'un tiers, c'est rarement la personne qui va dans le cabinet du médecin, elle ne prend pas de rendez-vous, elle. Ça se passe comme ça, c'est-à-dire qu'en général, on va au domicile, oui.
Mais je vous dis, parce qu'on craint, ça se fait pas non plus n'importe comment, c'est parce qu'on craint pour sa santé ou parce qu'elle est dangereuse pour autrui. Bon, là, ce qui n'est pas le cas. Non, ça non. peut être pour elle-même. En tout cas, elle est pas, c'est pas, on n'en est même pas là. C'est peut-être le fait, ça permettrait un peu qu'elle soit prise en charge, qu'on s'occupe d'elle. Mais peut-être ce qui pourrait aussi lui faire du bien à cette dame, s'il y avait une possibilité, c'est déjà qu'il y ait quelqu'un de la famille, si ça pouvait être sa fille ou quelqu'un, qui l'amène un peu hors de ces repères-là, pour qu'elle se repose. Genre en disant, est-ce que tu pourrais... Je t'invite à venir une semaine, te reposer, dans un autre environnement, déjà. Où elle pourrait un peu se recadrer. Si vous voulez, ça lui était proposé, parce que donc, le peu de famille qu'elle avait, ils sont partis depuis un an en province, et lui propose de venir. Bon, sa belle famille, bon, la famille de son compagnon, lui ont proposé cet hiver de l'amener un petit peu au sport d'hiver, de l'amener cet été un petit peu au bord de la mer avec eux, mais elle refuse tout. Alors, pense que. Alors, je vois pas. Elle a une base de timidité. Donc c'est vrai qu'elle a toujours eu, même petite fille, je me rappelle, elle est toujours. Mais là, parce que vous demandez ce que l'on craint, ben ce que l'on craint, c'est qu'il, voilà, qu'il lui arrive tout simplement quelque chose, parce que tout le monde sait que ça ne va pas, tout le monde voit que ça ne va pas, et on ne peut rien faire. Si, vous pouvez à ce moment-là demander une hospitalisation à la demande d'un tiers. Si vraiment vous avez, vous et sa fille, des inquiétudes la concernant, vous pouvez faire cela. Bon. Pour qu'elle soit hospitalisée. De toute façon, là, je vais la. Bon, après la visite qu'elle a eu cette semaine avec sa fille, enfin, nous avons déjeuné ensemble vendredi chez nous. Donc là, je vais la revoir. Et ce qui me dit, c'est qu'elle a besoin certainement. Il faut qu'on la fasse sortir de cette bulle, parce que quand elle vient à la maison, aussi bien avec mon époux qu'avec moi, on la sent. Elle vient près de nous. Elle nous prend par le bras. Elle nous serre. Elle nous dit au revoir comme si j'allais me faire écraser au bout de la rue dans le quart d'heure qui suivait. Oui, ce lien est important. Elle aurait besoin de présence. Et pourquoi vous ne pourriez pas l'inviter un peu à venir rester ? Dire est-ce que tu ne veux pas rester quelques jours ? Vous ne le parlez pas ? Quelques jours à la maison pour te reposer. Je n'y ai même pas songé parce que je ne sais pas si vrai à l'extérieur. Puisque vous me dites que finalement, quand elle vient chez vous, c'est qu'elle s'agrippe à vous, elle se sent bien. Avec vous, elle se sent bien, elle se sent en sécurité. Vous pourriez, ça peut être déjà une possibilité pour qu'elle sorte de cet environnement qui l'angoisse finalement. Et avec vous, en tout cas, votre présence l'apaise. Dans ce que vous me dites, vous êtes quelqu'un qui est là depuis son enfance. Enfin, oui, vous êtes. Nos mamans se connaissent. Et elle aime bien votre mari aussi. Donc déjà, vous pourriez lui dire, écoute. Et si tu restais quelques jours avec nous à la maison, vous lui parlez pas d'un, c'est pas un séjour, c'est proche en plus pour elle. C'est voilà, il n'y a pas à partir loin, de rester près de vous, voilà. C'est effectivement un très bon conseil que vous nous donnez, sauf à dire que dans l'hypothèse, bon alors je la garde à la maison et le problème sera récurrent quand elle va retourner chez elle. Pas forcément, il faut voir déjà. C'est un. Je ne sais pas. Elle peut déjà, dans un environnement où elle se sent un peu sécurisée, reprendre des forces, se remettre à avoir moins d'angoisse. Ça peut permettre en tout cas d'établir un lien encore plus profond et pouvoir, elle peut entendre certaines choses qu'elle n'entend pas quand elle est dans son environnement et dans son cadre de vie habituel. Donc effectivement, si elle revient, si elle passe deux jours chez vous et qu'elle revient chez elle, il ne va pas y avoir de miracle entre-temps. Mais ce temps que vous passeriez ensemble peut permettre aussi d'entendre certaines choses en disant, tu sais, et rappeler comment elle était, les personnalités, la personnalité qu'elle avait, et dire vraiment, tu as beaucoup changé, je me fais du souci. Donc ça peut être effectivement une étape intermédiaire. Oui, et lui proposer, dire quand même, j'aimerais bien, est-ce que ça me rassurerait que tu fasses un peu un bilan, que tu vois le médecin, quitte à l'accompagner, voyez ? Et là, elle accepterait peut-être davantage. Oui, parce que le problème de l'accompagner, de faire, parce que même mon époux m'a dit, écoute, c'est au moment de partir. Et il dit, tu ne peux pas partir parce que tu as ça au-dessus de la tête avec ton ami. Donc j'ai dit, vous savez, j'ai écouté, Yann, on va faire un bilan chez mes seins. D'abord, arriver à nos âges, c'est une sécurité. Donc je lui présenter la chose comme cela.
Et elle m'a regardée, elle m'a dit, mais écoute, non, vraiment, j'en ai pas besoin. Oui, mais et si elle a un problème d'alcool derrière, elle a pas trop envie d'aller voir le médecin non plus. Et bon, mais vous pouvez déjà l'accueillir chez vous. Peut-être que chez vous, elle se sentira mieux et que vous pourrez aller un peu plus loin avec elle. Ça peut être un remède avant. Parce que sinon, franchement, vous avez un lien, vous, très fort. Avec vous, elle vous fait confiance. Et peut-être de vous, plus qu'avec sa fille d'ailleurs, où là, elle veut sauvegarder les apparences. Où vous êtes vraiment une présence très rassurante pour elle. Donc, elle pourra entendre des choses, et y compris accepter peut-être de l'aide. Elle sent vraiment une inquiétude, parce qu'elle sent que votre inquiétude, elle est très bienveillante. Donc, ça vaut peut-être la peine d'essayer. Et je ne l'imbrousque en aucune façon. Non, mais proposez-lui à ce moment-là. Écoutez, c'est effectivement une bonne idée à laquelle je n'avais même pas songé du fait que l'on se voyait très souvent. Oui, mais c'est pas la même chose. C'est parce que vous me dites effectivement qu'elle s'agrippe à vous, à votre mari, elle a peur, je pense que ça la rassure, ça pourrait la rassurer aussi. Lui dire, reste dormir un peu, si tu restes quelques jours, j'aimerais bien t'avoir à mes côtés, voilà. C'est vrai que ça. Dites-lui. Quand elle est repartie avec sa fille, et quand elle m'a dit au revoir, elle m'a dit au revoir, j'ai l'impression que dans le quart d'heure qui va suivre, là, je vais passer de vie à trépas. Non, mais elle est angoissée, cette dame. Bon, elle va pas bien, c'est pas. Ah non, voilà. Le fait d'être dans un autre environnement peut faire qu'elle. Elle verra les choses différemment. Ça vaut le coup d'essayer, je pense. Je vais essayer, effectivement, et puis je verrai bien, mais je ne sais pas, parce que combien... Faites-le, vous verrez, après, il sera toujours temps de voir, rien n'y fait, ben, écoutez, il y a toujours ce recours, vous pouvez en parler à sa fille d'hospitalisation à la demande d'un tiers, mais c'est vraiment quand on ne peut plus rien faire d'autre. D'accord. Cette pauvre gamine, elle est partie catastrophée, elle a pris la route ce matin, là, pour l'étranger. Oui. Il faut que je vous laisse, Christiane, parce que vous savez, j'ai beaucoup d'autres personnes derrière, mais par rapport à sa fille, elle reste en contact, puis c'est aussi à sa fille, quand même, un peu de s'en occuper, de faire les choses. Mais vous, en tant qu'amie, vous pouvez déjà être présente, comme vous le faites beaucoup, mais peut-être aussi en créant un cocon affectif autour d'elle, encore plus. Un peu plus, oui, c'est sûr. Bon courage, Christiane. Eh ben, merci beaucoup de vos conseils. Au revoir. Et merci d'avoir pris mon appel. Merci à vous. Au revoir. 39 21 65 centimes plus coût d'un SMS. Hervé, I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. Magnifique, Tony Bennett et Lady Gaga, Cheek to Cheek. Vos réactions qui me parviennent suite au témoignage de Christiane qui s'inquiétait pour une amie très chère. Jo dit c'est à sa fille de prendre cette décision. En tout cas, c'est ce que l'on a fait pour moi. Quelqu'un me dit aussi, j'ai connu un homme qui marche, mais lui sur le chemin de Compostelle, 7 mois par an depuis qu'il est devenu veuf. Bah oui, ça peut être effectivement dans se retrouver finalement quand on a perdu comme ça ce qu'on a de plus cher, une façon de se retrouver soit à travers la marche et notamment le chemin de Saint-Jacques de Compostelle qui paraît-il est très particulier. Il y a Jean-Claude Ruffin qui a fait un livre magnifique sur justement le chemin de Compostelle. Quelqu'un dit c'est certainement parce que si elle marche comme ça, si elle sort, qu'elle va chez ses voisins, c'est qu'il y a trop de souvenirs dans cette maison avec son compagnon. Quelqu'un qui me dit j'ai connu ça moi-même avant d'être alité et hospitalisée. On va accueillir, je crois que c'est Isabelle qui est avec nous. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Alors vous voulez revenir sur le témoignage de Nathan qui a démarré l'émission avec nous. Nathan qui est, pour ceux qui nous rejoindraient maintenant, aide-soignant depuis 3 ans dans un service de gériatrie et qui se pose des questions sur son avenir parce qu'il ne se voyait pas rester des années dans ce service parce que c'était très lourd, il y avait des pathologies très lourdes et ils étaient en sous-effectif puisqu'ils étaient 2 aides-soignants pour 26 personnes et une infirmière. Moi, j'ai déjà travaillé en structure et je trouve qu'en structure, c'est trop difficile pour nous. Donc, je travaille à domicile oui. Et je suis assistante de vie.
D'accord. Et donc, ce que je voudrais... Assistante de vie, qu'est-ce que, oui. justement, ça correspond à être soignant dans... Qu'est-ce que c'est, cette fonction, assistante de vie? On va dire, entre guillemets, hein. Oui. C'est, c'est à peu près auxiliaire de vie. D'accord. À peu près. Et donc... Ben, puisque l'État réduit les budgets et réduit les titres aussi. Donc ça fait qu'une auxiliaire de vie est payée plus que nous. Mais on fait exactement la même chose. Parce qu'il y a auxiliaire de vie et assistante de vie. C'est une différence dans votre fonction. La différence, c'est la paie, c'est tout. Sinon, dans les faits, vous faites les mêmes actes. C'est-à-dire, qui consiste en quoi ? Exactement pareil qu'une auxiliaire de vie. C'est-à-dire, on prend soin de la personne. Mais vous l'aidez dans les gestes du quotidien. C'est quoi? C'est la toilette? La toilette, l'habillage, d'accord. L'administration, les courses. Oui, d'accord. Voilà. La prise de médicaments, ce n'est pas vous, ça c'est une infirmière. On a le droit de mettre les médicaments dans le pilulier. La main de la personne si elle est capable de les prendre. Ah bon? Autrement, on n'a pas le droit. Si la personne peut encore se servir de sa main, on a le droit de lui mettre les médicaments. C'est fou, ça. J'ai du mal à voir la nuance. La nuance, c'est que l'infirmière, quand la personne n'est plus capable de prendre ses médicaments, oui. elle peut lui mettre dans la bouche, l'infirmière a le Je ne savais pas qu'il y avait cette différence. C'est-à-dire qu'une infirmière peut, elle, avoir cette fonction un peu d'autorité, de dire si la personne n'est plus en état de prendre elle-même ses médicaments. Mais si la personne a tous ses esprits et qu'elle sait quel type de médicaments, vous pouvez lui mettre dans la main. C'est-à-dire que c'est au fond, l'aider. De lui mettre dans la main, on a le droit. De lui mettre dans la main, on a le droit. Il y a des gestes qu'on n'a pas le droit de faire comme les infirmières. C'est-à-dire qu'une personne qui est diabétique, par exemple, que ce soit un aide-soignant, que ce soit une assistante de vie, une auxiliaire de vie, on n'a pas le droit, par exemple, de couper les ongles aux doigts de pied des personnes. Ah bon ? S'ils sont diabétiques. Ah oui, d'accord, je comprends mieux. Oui, parce qu'effectivement, une coupure peut être très embêtante. Il y a des gestes qu'on n'a pas le droit de faire. Oui, qui peuvent créer qui peuvent avoir des effets. Il faut que ça soit quelqu'un vraiment affilié médical, enfin infirmière, s'il y avait un souci, quoi. Voilà. C'est en termes de responsabilité. C'est juste, par exemple, même pour les lits médicalisés, mettre la barrière. Si c'est pas prescrit par le médecin, nous n'avons pas le droit de les mettre. Eh oui, tout est codifié. Nous n'avons pas le droit de les enfer. C'est un protocole. Et alors, par rapport à maintenant, vous exercez donc à domicile. Vous avez travaillé auparavant en structure. Vous vous sentez mieux dans quel type d'activité? Dans une maison de retraite. Et maintenant, je travaille à domicile. Et c'est vraiment mieux. Parce que, comme ce jeune homme tout à l'heure disait qu'ils étaient deux pour 30 personnes, nous on est un pour une personne, quoi. Oui, ça change tout. C'est la différence. La différence, c'est qu'on peut s'occuper de la personne correctement. Mais vous voyez combien de personnes en une journée ? Demain matin, je vais 3 heures chez une. Oui. 2 heures chez une autre. D'accord. Et le soir, je suis affiliée à faire aussi les repas pour les personnes. Ah oui, vous pouvez leur cuisiner les repas? Ah oui, ça oui. Oui, c'est très varié ce que vous faites. Oui, mais oui. Vous êtes vraiment dans un accompagnement très concret du quotidien. Oui, voilà. Et du coup, vous établissez des liens affectifs forcément avec toutes ces personnes chez qui vous allez, où vous êtes nous là vraiment. Nous n'avons pas le droit de nous attacher, on n'arrête pas de nous le dire, mais... N'importe quoi, oui, mais ça c'est... Mais enfin bon, vous n'êtes pas des robots. Le problème, c'est qu'on est obligé. Mais moi, je dirais que c'est justement, vous faites bien votre travail aussi, parce que vous impliquez, parce que vous vous attachez, enfin... Je suis surprise qu'on continue à, dans les formations, à dire, je sais pas, on vous le dit peut-être pas en ces termes-là, mais enfin, ça revient à dire ça, que vous n'avez pas le droit de vous attacher, ce qui est absurde quand on s'adresse à des humains. On peut pas empêcher de créer du lien. Nous n'avons pas le droit, ça c'est sûr. Du jour au lendemain, on peut nous enlever la personne et puis la donner à quelqu'un d'autre,
Ça, je peux vous l'assurer. Oui, que donc c'est... Demain, on n'a plus de nouvelles. C'est, oui, c'est dur pour vous et je trouve, et pour la personne qui a pu s'attacher à vous. Et pour quelle raison on fait ça ? Mais on nous fait ça justement pour pas qu'on s'attache trop à la personne. Parce que, en général, c'est des personnes qui sont quand même... Voilà, demain matin, j'ai une personne qui a la sclérose en plaques et puis qui est en train de descendre, on va dire. Donc, du jour au lendemain, quand il y aura la fin de vie, c'est surtout pas moi qu'on va mettre. Mais bien sûr qu'ils vous disent cela, c'est une façon de vous protéger. Voilà. Mais donc, c'est-à-dire pour vous aussi, vous voyez évidemment vous attacher aux personnes que vous soignez. Les sentiments, quoi qu'il arrive, personne ne pourra nous les changer. Voilà, vous ne pouvez pas, les empêcher, et c'est aussi ce qui, ça fait partie, je dirais, de ce métier de soignant, de soins, de relation à l'autre. Et c'est ce qui fait, à mon avis, qu'on le fait bien, quand même. Maintenant, c'est vrai que c'est une façon de dire, il y a une, pour pouvoir rester professionnel, mais je trouve que c'est très compliqué. C'est d'autant plus compliqué pour vous, qui êtes vraiment, dans leur quotidien, enfin dans ce qu'il y a de plus intime, déjà parce que vous êtes chez eux, parce que vous êtes dans des gestes extrêmement intimes, vous parlez de la toilette. Ah oui, oui. Donc vous êtes vraiment dans l'intimité de la personne, vous êtes dans après le fait de préparer les repas. Enfin, vous êtes vraiment, c'est beaucoup plus simple entre guillemets pour un médecin, pour une infirmière, pour un psy qui est dans un... Ils sont là que 5 minutes. Hein. Oui, oui, oui. Ils ne sont pas vraiment... Nous, comme... on est là vraiment, vraiment. On reste 2-3 heures avec la personne chaque jour. Il y a des passages chez les personnes Alzheimer où on fait 3 passages par jour. Oui. Oui, c'est énorme. Donc je comprends que dans votre formation, on vous dise, pour vous protéger, qu'effectivement, quand les personnes malheureusement ne sont plus là, vous ne soyez pas effondrés, dévastés. Mais il n'empêche, on a beau vous dire ça, il y a des personnes à qui on s'attache, plus que d'autres, c'est humain. Il y en a que vous prenez en affection, d'autres qui vous irritent un peu. Ouais, c'est dans l'ordre des choses, c'est comme dans la vie aussi. Mais moi, je vais quand même vous dire quelque chose. C'est que toutes les personnes qui ont besoin de nous, en général, elles s'attachent plus à nous. Et il n'y a pas d'agressivité en général. Oui, vous ne trouvez pas ça. Non. D'accord. Ah, oui. Non, pas du tout. Plus les personnes ont besoin. Et oui, elles sont dépendantes, bien sûr. Ouais, elles sont dépendantes de vous. Ouais. Parfois, c'est les pathologies qui peuvent faire qu'il y ait de l'agressivité. Oui, pardon. Ce que je voulais dire pour ce jeune homme tout à l'heure, qui se trouve en structure, bon, c'est carrément compliqué pour lui, je le pense, et je voudrais pas travailler en structure. Et je pense que le métier d'AMP, il pourrait le faire complètement. Alors AMP, c'est aide médico-psychologique. C'est-à-dire que les personnes qui sont en fin de vie, ou à domicile, je parle, pas en structure, parce qu'en structure, AMP, c'est compliqué quand même. Mais quand on est avec la personne un peu longtemps, comme nous on fait, et quand on est AMP, donc on peut aider vraiment les personnes qui ont des pathologies assez lourdes. Et ça serait peut-être plus sympathique pour lui qu'il fasse cette formation. Oui. Donc ça peut être effectivement une possible... Parce que lui, Nathan réfléchissait à assistante sociale. C'est une ouverture pour lui. C'est une ouverture pour lui. On en demande de plus en plus. Et je pense que c'est une ouverture pour lui. Vraiment quelque chose qui pourrait lui apporter beaucoup plus ce qu'il apprend là actuellement. Et il peut le faire avec sa société. Il a le droit en plus de le demander. Donc, moi, je pense ça peut que être ça effectivement par rapport à la façon dont il faisait son travail, ça pourrait être un plus pour lui. Un plus, mais pas un plus. C'est un avancement pour lui. Dans sa tête, dans tout ce qu'il pourra faire pour les gens, c'est vraiment un métier qui est vraiment valorisant. Vous aimez votre métier, en tout cas. Puisqu'il aime les gens. Vous aimez votre métier. Ah, moi, j'adore mon travail. Ouais. Moi, j'adore mon travail.
De toute façon, je ne vais pas m'arrêter là. Je suis assistante de vie. Je veux faire AMP. Et c'est pour ça que j'en parle actuellement. Et que quand j'ai travaillé en structure, ce n'était vraiment pas quelque chose qui m'a intéressée parce que j'ai l'impression que c'est l'usine et l'abattage. Dans quel type de structure vous travaillez ? Maison de retraite. D'accord. Et maintenant que je travaille à domicile, je changerai pour rien au monde. Oui, donc quand la personne peut rester à domicile avec des personnes qui viennent comme vous l'aider, ouais. Vous trouvez que c'est... C'est magnifique. Quand on prend la personne même qui a Alzheimer ou qui a la sclérose en plaques ou qui est simplement handicapée, parce que je m'occupe aussi bien des enfants handicapés de 18 ans que des personnes qui ont la sclérose en plaques, des personnes âgées. Oui, il y a une diversité dans votre pratique. Et quand on prend la personne âgée qui ne peut pas sortir de la journée et puis que nous, on est là, on a le bras pour pouvoir le faire et pour pouvoir sortir, c'est magnifique le sourire qu'il peut y avoir. Il y a Katou qui dit la différence entre l'assistante de vie et l'auxiliaire de vie à domicile, c'est une formation avec le diplôme d'État d'AVSI, c'est ça ? Ouais, c'est ça. On va accueillir également, je vous remercie beaucoup pour ce témoignage sur votre métier, Isabelle, vraiment. D'accord. Je vous remercie pour ce que vous faites. De m'avoir écouté. Si, on va également accueillir, merci Isabelle, bonne soirée. On va accueillir Chantal, qui voulait aussi revenir sur le témoignage de Nathan. Bonsoir Chantal. Bonsoir Caroline. Alors c'est Jean-Christophe Ruffin. Ah merci. Ouais voilà c'est ça parce que je cherchais. J'avais un petit bug là sur le système. Merci. Voilà. Je me disais Jean-Claude. Pourquoi je dis Jean-Claude ? Ça sonnait pas. Non c'est Jean-Christophe. Il est formidable. Lui tout ce qu'il fait, tout ce qu'il touche. Médecin, écrivain. Il fait des livres. Et c'est merci à Violaine aussi qui dit Immortelle randonnée de Jean-Christophe Ruffin. C'est formidable ce livre. Mais tous les livres vraiment de Ruffin sont formidable, donc voilà. Merci. Merci Chantal. Alors vous vouliez revenir aussi, vous êtes vous-même dans le domaine soignant ? Alors moi j'ai eu plusieurs étapes. Oui. Moi j'ai commencé, donc moi ça fait 17 ans que je travaille dans une structure hospitalière. J'y suis rentrée en tant que masseur kiné. Oui. Et après j'ai fait donc l'école des cadres et maintenant je suis cadre de santé. Donc, je gère, en fait, les rééducateurs de l'établissement, quoi. D'accord. Et c'est vrai que bon, j'ai adoré mon métier de masseur kinésithérapeute. Je ne regrette absolument rien. Et puis après, j'ai voulu faire l'école des cadres parce que, justement, je voulais aussi apporter quelque chose de plus aux équipes. Et quand j'ai entendu le témoignage de Nathan, alors c'est courant, les sous-effectifs dans les hôpitaux... La frustration qu'il peut ressentir, le sentiment d'un travail qui n'est pas accompli. Je veux dire, quand on rentre le soir et qu'on se dit, ouais, j'ai pas passé assez de temps avec telle personne alors qu'elle en avait peut-être besoin. Maintenant, on peut pas tous aller, comme disait Isabelle, à domicile. Il faut aussi qu'on ait des gens, des soignants à l'hôpital. Et je pense que les soignants, on n'est pas assez combatifs. On n'est pas assez solidaires. D'accord, mais c'est pas Moi, je suis dans un établissement où, justement, on est combatif et solidaire. Et croyez-moi que les effectifs, on les a. Finalement, quand on demande, quand il y a une équipe soudée, solidaire, vous arrivez à obtenir de la direction davantage d'effectifs. Oui, alors il y a plusieurs mois, déjà, en tant que cadre de santé, j'insiste lourdement avec les médecins et avec les directions. Hein. Oui. Alors c'est sûr qu'on nous parle, on nous met en avant les moyens, les financements. Je dis, écoutez, on nous parle de qualité de soins, de sécurité des soins. Moi, je ne l'ai pas si je n'ai pas les effectifs des soignants au pied du lit du malade. Donc, c'est vrai qu'il faut absolument, déjà que nous, cadre de santé, nous faisions remonter l'information à la direction. Oui. Il faut se mouiller, comme on dit. Et on est payé pour ça aussi. Et aussi, bon, après, il y a des instances. Et on sent que vous remplissez bien votre rôle, vous. Ah oui, moi, vous savez, en plus, je suis déléguée syndicale depuis des années. Oui. Donc, je siège dans les instances hospitalières qui sont le CTE, qui est le comité technique d'établissement, et surtout le CHSCT, qui est le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Et là, justement, on parle des effectifs, des soignants, on demande de les charges de travail pour revoir justement les effectifs. Parce
qu'une infirmière et deux aides-soignants de jour. C'est fou, hein, pour 26 personnes, avec quand même des personnes qui sont dans des situations de santé terribles. C'est surtout que bon, moi j'ai une grosse expérience en tant que malade, plus qu'en tant que professionnelle de santé. Oui, mais parfois aussi d'avoir été de l'autre côté de la barrière, ça permet de mieux se rendre compte. Ah, vous savez, moi j'ai 46 ans, ça fait 46 ans que je traîne les hôpitaux. Oui. En tant que patiente, donc oui. J'ai quand même j'ai fait beaucoup d'hôpitaux sur le territoire. C'est vrai que c'est pour ça que je suis très exigeante avec l'équipe que j'encadre, au niveau de la prise en charge des malades, mais je me dois d'être exigeante avec moi-même pour qu'ils aient les conditions de travail, que les conditions de travail soient réunies, quoi. Oui, donc vous dites finalement il faudrait aussi plus de combativité, plus de solidarité de la part des équipes. Voilà, des équipes. Et puis bon, ils ont la possibilité quand même de contacter les membres du CHSCT. Dans tous les hôpitaux, il y a une secrétaire du CHSCT où ils peuvent faire remonter leurs difficultés. On est là pour ça. C'est important de se battre pour que les patients aient des soins dignes de ce nom. Après, ce que disait Isabelle, bon, en AMP, je ne pense pas qu'ils puissent se mettre en libéral, comme aide-soignant d'ailleurs. Donc il faut faire très attention à ce qu'on propose à Nathan. Maintenant, en tant qu'aide-soignant, il peut faire ce qu'on appelle l'HAD, l'hospitalisation à domicile. Oui. Où là, il est salarié, parce que bon, les aides-soignants, les AMP n'ont pas de statut libéral. Ils ne peuvent pas être en libéral. C'est pas comme les auxiliaires de vie, les assistantes de vie, qui dépendent d'ailleurs, qui ne sont pas considérés comme libéraux. Ils dépendent de structures comme les ADMR, les choses comme ça. Mais je pense que Nathan, il faut, bon, c'est sûr que de nuit, il se sentait plus proche du patient parce que comme il y a moins de soins, donc il y a beaucoup plus de relationnel. Oui, et c'est ce qui lui plaît. Et ce que lui plaît, maintenant, le jour, il faut qu'il y ait les deux. Et je pense que c'est quelqu'un qui est très frustré parce que justement, il a plus le soin que le relationnel. Et alors, qu'est-ce que vous pourriez lui conseiller de se rapprocher du CHSCT? Moi, je lui conseille de se rapprocher du secrétaire du CHSCT de son établissement. Oui. De faire remonter l'information, de discuter aussi avec sa cadre de santé, avec l'infirmière et les aides-soignantes, d'aller voir sa cadre de santé en disant, voilà... 26 patients, on est deux, les pathologies sont lourdes. Donc, commencer par sa hiérarchie directe, je dirais. Puisque nous sommes censés quand même... faire remonter l'info, dire qu'il y a un problème de sécurité, en tout cas, alarmé là-dessus. Et de qualité de soins. Oui, oui. Je veux dire, il y a les deux. Surtout que nous, cadre de santé, on est quand même garant de la qualité. Mais vous donnez une information très importante, parce qu'effectivement, moi, je me suis centrée sur son avenir à long terme en disant que ben, lui, pour ne pas rester dans cette frustration et autres, mais c'est vrai que derrière, il y a les patients qui sont hospitalisés et qui ont droit à avoir des soins vraiment de qualité. Donc, c'est vrai que vous avez raison de se rapprocher de la hiérarchie directe et faire remonter l'info. Faire remonter avec... Donc, il y a ces deux... Il faut le faire en parallèle, c'est-à-dire le cadre de santé. Oui. Et il y a aussi le secrétaire ou la secrétaire du CHSCT. D'accord. Normalement, il y a les listes, ça c'est obligatoire, mais malheureusement, dans tous les hôpitaux, ils ne suivent pas forcément la réglementation. Donc c'est toujours pareil, c'est à nous à la demander, cadre de santé, aux agents aussi d'ailleurs, et de parler de ses conditions de travail. C'est une information effectivement très importante que vous donnez à Nathan et puis à tous ceux qui peut-être se trouvent dans une situation comme ça et qui ne se résignent pas finalement. Voilà. Hein, parce qu'après, effectivement, c'est sur le plan. Trop facile. Après, nous nous retrouvons dans des situations où le personnel est complètement désœuvré, on se retrouve avec des troubles psychosociaux, pas une invention à l'hôpital. Malheureusement, donc je dis un message au cadre de santé, on est responsable de la sécurité de nos agents. C'est vrai. Mental et physique. C'est vrai. Donc ça c'est très important. Il y a des membres du CHSCT, comme j'en fais partie, on est là aussi pour ça. Merci beaucoup pour votre détermination. On s'en sent pugnace et finalement vous venez en aide aussi bien au personnel, aux équipes soignantes qu'aux patients. Parce que ça rejaillit aussi eux qui doivent avoir des soins, comme vous dites, de qualité. Ne pas baisser les bras, jamais. Bah, on sent que vous êtes combative. Ne changez rien. Je vous dis, Caroline, quand on est passé, par où je suis passée. Oui, mais je pense effectivement, ça donne une motivation. Vous savez, moi, j'ai dû refaire toute ma formation parce que j'ai perdu la vue à 19 ans. Donc, je sais ce que c'est. Oh là là, J'ai refait ma formation de kiné, je suis partie à l'école des cadres. Oui. Mais
Voilà, même en oui, tant vous que avez, cadre. Vous avez une énergie, un courage extraordinaire. Hein. Et c'est pour ça que ouais. Nathan, il ne faut pas qu'il baisse les bras. Ouais. Oh, bah, c'est dommage qu'on ne vous ait pas eu à ce moment-là. J'aurais bien aimé que vous parliez avec lui. Mais enfin, peut-être qu'il n'est pas couché, j'espère, et que, voilà. qu'il est pas de, qu'il ne commence pas tôt demain matin et qu'il vous aura entendu. Sinon, on lui voilà. transmettra. Merci beaucoup, hein, vraiment, oui. pour ces infos, ben, Chantal. Et ne changez rien. Merci. Au revoir. Au revoir. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 3921. 34 centimes la minute. Monique me dit, j'ai une aide à domicile 13 heures par semaine depuis plusieurs années hors structure et nous sommes devenus amis. Quelqu'un me dit, pour la question de sécurité, c'est l'infirmière même à domicile qui prépare les piluliers à la journée. J'ai une aide de vie, elle n'a pas le droit de me le préparer ce pilulier. Moi, c'est ce que j'avais en tête, hein, qu'effectivement, c'était vraiment les infirmières qui préparaient les piluliers, qui donnaient les médicaments, que ce soit dans la main ou dans la bouche. J'avais cru comprendre que c'était vraiment de la responsabilité d'une infirmière. Et plusieurs personnes attirent l'attention parce que pour que ça ne se retourne pas, contre Isabelle, qu'on sentait très motivée dans son métier, parce que parfois, pour aider les gens, s'il y avait un souci, effectivement, que ça ne se retourne pas contre elle. Alors justement, on a entendu les soignants. Ça serait bien d'écouter aussi maintenant les patients. Et on a Marie qui est avec nous. Bonsoir Marie. Oui, bonsoir. Bonsoir, merci d'avoir appelé. Alors, vous avez eu plusieurs auxiliaires de vie. Comme, voilà. Alors, hein, j'étais encore assez jeune, mais j'avais des ennuis de santé assez sérieux, sur le plan cardiaque notamment, avec en plus un diabète très très déséquilibré. Alors, en sortant d'une hospitalisation un petit peu longue, oui. On m'a proposé... deux auxiliaires de vie d'ailleurs, parce qu'au début j'avais besoin de pas mal d'aide et après ça s'est très bien arrangé, j'ai gardé qu'une seule parce que j'avais plus besoin d'autant et puis c'était pas financé évidemment indéfiniment et là j'ai eu quelqu'un d'absolument remarquable qui était auxiliaire de vie, qui n'avait pas le droit de faire en effet les médicaments, oui. s'occuper des pieds, surtout que j'ai un diabète assez grave. Mmh. Voilà, donc elle le savait très bien. Et ce que j'ai trouvé remarquable, c'est que elle m'a dit dès le début, voilà, je vous aide pour tout ce dont vous avez du mal à faire, mais je ne fais rien à votre place, rien sans que ce soit vous qui me demandiez ou que je vous le suggère. Mais vraiment, elle était remarquable parce qu'elle expliquait bien ce pourquoi elle était là. Et en 3 fois par mois, 2 heures, elle faisait tout, finalement, enfin tout avec moi en particulier. Mais dès qu'elle voyait que je fatiguais, elle me disait, ben non, là, c'est vous 5 minutes. Et puis, mais sinon, on faisait tout ensemble. Et j'ai trouvé que c'était très, très bien. Alors, c'était faisable parce que j'allais de mieux en mieux. J'étais de moins en moins fatiguée. Bon. Mais elle m'a emmenée faire des courses 2-3 fois. Puis après, j'étais capable de les faire moi-même. Mais au début, je n'arrivais même pas à aller acheter du pain à 50 mètres. Vous voyez, c'était... Oui, alors, donc c'est précis. Oui, ce que vous vouliez dire. Parce que Monique nous dit, par exemple, c'était devenu une amie. Elle la considère comme une amie. Tout à fait. Moi, c'était tout à fait ça aussi. Tout à fait. Puisque même, il y a des détails assez drôles, comme j'avais pas mal d'activités artistiques, eh bien, je faisais partie d'un groupe de théâtre, elle me faisait réciter mes pièces de théâtre, vous voyez. Oui, c'est elle pas banal. Ça devait la changer, oui, de certaines... Elle était très étonnée, surtout qu'elle avait... Elle vous donnait la réplique. Voilà, elle était douée. Eh bien, c'était très drôle parce qu'elle est venue voir la pièce de théâtre avec son oui. mari en disant avec beaucoup de discrétion, on va pas s'étendre, enfin, on vient vous voir. Elle pouvait vous souffler le texte au cas où vous auriez eu un trou. Elle aurait presque pu le faire, mais elle m'a surtout dit en riant beaucoup après, c'est que ben, comme par exemple, comme j'ai des problèmes de mémoire, je me suis trompée pas du tout aux endroits où je me trompais avec elle. Alors, c'était le trac peut-être. Mais c'était très intéressant. Et en plus, c'est quelqu'un qui avait fait très peu d'études. Alors, je me suis aperçue qu'elle ne comprenait pas toujours tous les mots de la pièce. Oui. Alors, je faisais des petites astuces pour traduire les mots. Mais ça ne l'interrogeait pas du tout parce qu'elle avait bien vu que ce dont j'avais besoin, c'est qu'elle m'aide à prendre un peu d'assurance. Oui, bien sûr. Oui, qu'elle vous donne la réplique, qu'elle puisse comme ça répéter. Et au point, elle est venue vous voir. Et vous continuez, vous continuez à faire du théâtre, Marie ? Et malheureusement, j'ai changé de ville et j'ai plus cette personne. Absolument formidable. Vous avez quitté votre troupe. Ah oui. Mmh. Alors ça, c'était dommage parce que... Mais ça, pour la mémoire, c'est excellent en plus. Hein. Ah, c'était formidable. C'est ludique. Un peu dans ce genre-là, je refais autre chose, mais parce que je fais partie de plusieurs associations où
je suis pianiste, alors je fais du piano avec des adultes trisomiques et autistes. Alors vous voyez, c'est un peu drôle. Ah bon, vous donnez des cours de piano à des adultes, et comment ça se passe? Eh bien écoutez, il se trouve que celui qui est trisomique, je l'avais connu petit. Alors un peu pour rendre service à des amis, j'avais fait un peu de musique avec lui. Et alors là, il se trouve que lui, il adore l'orgue, c'est vraiment l'orgue son truc. Oui. Et surtout avec les pieds, c'est pour ça qu'il n'aime pas trop le piano, parce qu'il n'y a pas de pédale. Oui, c'est... Ah ben écoutez, il joue dans des grandes orgues de cathédrale. Il est doué. C'est étonnant. Et pourtant, il est très petit, alors ça lui pose des problèmes parce qu'il a du mal à atteindre les fameux jeux des pieds. Moi, je ne connais pas grand-chose, je suis vraiment pianiste. Mais alors, c'est très drôle parce qu'on a fait des concerts ensemble là, dernièrement, et il se débrouille très très bien. Ah, c'est formidable. Il doit être très fier, et puis vos amis aussi. C'est formidable qu'il puisse s'exprimer comme ça, qu'il ait il a cette sensibilité-là, artistique aussi. Oui, tout à fait. Une agilité technique, bon, moi, je vais donner Marie, on vous écouterait des heures parce que je vous trouve charmante. Malheureusement, on arrive à la fin de cette émission. Je vous embrasse bien fort et ça a été un plaisir de parler avec vous. À une prochaine nuit, peut-être. En tout cas, je vous embrasse. Suis très intéressée par tous les sujets, mais au revoir, Marie. Il faut que je vous laisse. Je suis désolée, mais c'est le carillon d'Europe 1. Et là, j'ai vraiment pas le choix. Il est 1h du matin. Très belle nuit à vous. C'est l'heure maintenant des infos présentées par Laurence Gontier. Bonsoir, Laurence.